le paludisme n'a jamais autant régressé. La mortalité liée à la maladie transmise par le moustique a chuté de 60% au cours de ces 15 dernières années, selon l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Ce sont près de 6,2 millions de vies qui ont ainsi pu être épargnées, selon un rapport des deux institutions onusiennes. Aujourd'hui, avec le financement que l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, a reçu dans le cadre de la prise en charge du paludisme, les activités qui ont été mises ont connu vraiment un essor important. Il faut voir aussi avec la coordination de RBM qui coordonne les activités au niveau de l'Afrique de l'Ouest, a permis que tous les pays aient reçu des financements. Et ces financements, on a mis en application en respectant toutes les recommandations de l'OMS. Et en appliquant, et les pays qui ont accepté de confirmer les cas de paludisme ont connu dans chaque pays une réduction de la mobilité liée au paludisme. En 2014, 13 nouveaux pays ont fait état de 0 cas et 6 pays ont connu moins de 10 cas. Toutefois, l'Afrique subsaharienne doit poursuivre le combat puisque les 15 pays les plus touchés par le paludisme sont dans cette région du monde. Ces pays enregistrent à eux seuls 80% des cas de paludisme et 78% des décès. Les spécialistes sont cependant unanimes, l'usage des moustiquaires imprégnés reste le meilleur moyen de prévention contre la maladie. Aussi, près d'un milliard de moustiquaires pré-traités par des insecticides ont été distribués depuis 2000, une initiative record et qui porte ses fruits, notamment en Guinée équatoriale. Ici, c'est le magasin dans lequel nous stockons les moustiquaires imprégnés. L'opération menée ici nécessite un temps de ventilation des moustiquaires. Par jour, nous préparons 2000 moustiquaires et nous allons dans les communautés pour les distribuer maison par maison. Notre objectif principal est de réduire la transmission du paludisme. Il est donc important que les familles respectent nos consignes. Selon les Nations Unies, le projet d'inverser la courbe du paludisme, l'un des objectifs du millénaire pour le développement, a été atteint. Cependant, le combat n'est pas encore définitivement gagné puisque l'ONU estime en effet que près de 214 millions de nouveaux cas devraient se déclarer en 2015.